Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Rideau Levé. Nous sommes devant le CAF Cons, l'un des restaurants les plus chics de la capitale congolaise. Lieu de rendez-vous par excellence des personnalités les plus huppées de Kinshasa. L'instant passé ici vous permet d'apprécier à sa juste valeur la cuisine de son chef qui prépare une cuisine inspirée, de qualité, partant des produits de sa région et de quelques produits locaux. Notre boucher est en train de préparer de l'agneau du Limousin. C'est un agneau que nous faisons venir de France tout à fait spécialement, qui nous arrive emballé et préparé déjà tranché au départ. C'est ce que nous appelons les carrettes d'agneau 8 côtes. Il va nous les préparer afin de faire un carré d'agneau prêt à cuire. Voilà, ce que nous appelons l'agneau du Limousin. Voilà, qui se fait chez nous. C'est de l'agneau frais, c'est un petit agneau qui est élevé particulièrement en nature directement, proche de la mer, et qui nous permet d'avoir toujours un agneau d'une tendresse absolument extraordinaire. Je ne vais pas faire la comparaison, je vais dire que c'est le meilleur du monde. Le pain tadeau, s'il te plaît. Ça, c'est de l'agneau, non? Encore un petit peu de jus, peut-être. C'est parti. Voilà. Calvin, ici je veux un peu de persil. Juste une branche là, s'il te plaît. Merci. J'attends mes coquilles Saint-Jacques pour m'envoyer une entrée. Yeah. Alors en tout, j'ai deux coquilles Saint-Jacques qui marchent. Voilà, ça c'est une spécialité aussi du CAF Cons. Les coquilles Saint-Jacques tout à fait fraîches, qui sont servies dans leur coquille, directement. On les a grillées, vous allez me dire comment vous avez pu les griller. On les a grillées avec une fourchette en acier, qui nous permet de les griller gentiment. Et c'est servi à la fin, avec un petit jus que va mettre Victor, c'est servi avec une petite sauce à base de soja. Et ce côté moelleux de la sauce est fait avec un petit beurre monté. Comme ça, voilà, une coquille Saint-Jacques simplement cuite au four à la minute, grillée sur le dessus avec une petite sauce de soja. On envoie la table 7, s'il vous plaît. Le métier de restaurateur n'est pas de tout repos. Plus tôt dans la matinée, nous avions suivi Noël Camiri, assisté de son maître d'hôtel, préparer les aménagements des salles du restaurant. Nous avons reçu des nouvelles chaises et nous sommes en train d'installer une nouvelle décoration. Nous avions des tables très larges et qui nous permettaient un passage facile sur les banquettes du haut. On a un petit peu moins de passage parce qu'un client assis, somme toute, va venir jusque là et ça va être fort étroit ici. Donc on va, grâce au marbrier et tout, on va réduire peut-être notre table un petit peu pour avoir un meilleur passage. En fait, quel est le style de décoration? C'est un petit peu la belle époque française, donc fin du siècle 1895-1900. Et cette belle époque a donné un style tout à fait particulier parce qu'à ce moment-là, les gens sortaient beaucoup à Paris. C'était un must de manger dans des restaurants décorés comme à la belle époque. Et voilà. Les cadres, ce sont vos ancêtres ou bien? C'est des membres de famille. J'ai recherché dans les greniers et j'ai trouvé tout un tas de photos anciennes. Alors nous avons des salles particulières. Le bar apéritif nous permet de recevoir les gens. Nous avons aussi le temps de prendre tranquillement la commande. L'attente à table est toujours plus, je vais dire, gênante qu'une attente dans un bar. Dans un bar, on a l'occasion de discuter. À ce moment-là, quand on se retrouve à table, le service démarre directement. Ici c'est le bar, ça s'appelle le Carré de Gourmand. Il y a des clients qui préfèrent prendre d'abord l'apéritif ici. Ils sont bien installés ici à l'aise. Le temps que le maître d'hôtel prenne la commande et après, ils passent au restaurant.